Comment tu t'appelles? Je m'appelle Andrew Tape. Je suis un brasseur canadien qui bosse chez Valflorin maintenant sur les projets de fermentation du miel. C'est quoi l'hydromel? L'hydromel, c'est le plus ancien boisson du monde. C'est juste une fermentation de miel, eau et levure. C'est-à-dire, c'est hyper simple. C'est quoi comme miel que tu mets dedans? Pour l'instant, c'est le miel de châtaignier. J'ai une cuvée châtaignier, une cuvée lavande et une cuvée acacia. Voilà les trois types de miel qui bossent. Quand c'est que tu bois l'hydromel? Quand on a soif. c'est en fait, c'est un peu dépendant sur le type de miel utilisé. Il y a les valeurs dans le monde différentes pour chaque type de miel, pour chaque fermentation. Et ça dépend surtout sur le goût de miel sans sucre. Mais quand est-ce que tu bois, l'apéro, le soir? Je bois l'hydromel souvent quand j'ai l'opportunité. C'est une question de rareté pour moi, mais grâce au fait que je fais l'hydromel moi-même, je peux boire pour un apéro ou quoi. Est-ce qu'il y a des bénéfices pour la santé dans l'hydromel ou pas? Dans les traditions ayurvédiques, en fait, il y a plein de recettes qui parlent de l'hydromel. Il y a au moins deux types de fermentation, de macération des plantes faites avec le miel et l'hydromel dans cette tradition. Mais en gros, ça dépend aussi juste sur les bactéries des dents. Il y a quelques études scandinaviennes qui ont démontré qu'en fait, il y a beaucoup des bonnes bactéries dont le hydromel fait aux bases de miel cru. C'était expliqué comme le premier antibiotique, les antibiotiques des Vikings en fait.